Monzera Kabale, comment à 82 ans, la soprano a échappé à la prison? Condamnée à 6 mois de prison pour évasion fiscale il y a 2 ans, la soprano Monzera Kabale, décédée à Barcelone samedi, avait évité la prison en trouvant un accord avec le parquet espagnol. Elle avait au cours de son procès avoir reconnu frauder le fisc pour un demi-million d'euros en 2010 et touché ses cachets pour les différents concerts donnés à l'étranger par le biais d'une société basée à Andorre, paradis fiscal jusqu'en 2010. Déjà très amoindrie à l'époque par un accident vasculaire cérébral, la star de l'opéra ne s'était pas rendue physiquement au procès mais avait répondu aux questions par vidéo. Elle avait décidé de reconnaître tous les faits, à quoi bon nier surtout à son âge et avait donc restitué la somme qu'elle devait au fisc espagnol. Elle fut quand même condamnée en décembre 2016 à 6 mois de prison donc et à 254,231 euros d'amende. Mais dépourvue de casier judiciaire et ayant écopé d'une peine de moins de 2 ans de prison, la justice clémente suspendit sa peine. Depuis, la diva s'était faite discrète et s'était éloignée de la scène pour des raisons essentiellement de santé. Elle s'est éteinte à l'âge de 85 ans, laissant surtout le souvenir d'une voix unique, d'une légende de la scène de l'opéra.